Salut, 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 j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va super bien. Et comme d'hab, si ça va pas sur notre chaîne, ça va aller. N'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche et à commenter la vidéo. Bon, les gars, comme vous l'avez vu dans le titre, je vais parler moins fort. Ce soir, on se retrouve pour un petit chit-chat, night routine. Appelle ça comme tu veux. Bref, je vais me démaquiller, je vais faire mes petits soins du soir avant d'aller dormir. Et en même temps, on va discuter. Ce que je te propose, peu importe l'heure, selon l'heure, pas peu importe, selon l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo, soit tu manges un truc, ou alors prends tes soins, fais pareil que moi, et let's go prendre soin de nous et discuter un petit peu. Un ouai! Bon, déjà, je vais commencer par me démaquiller avec mon savon démaquillant. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Alors, à l'instant où je suis en train de vous faire cette vidéo, on est jeudi 30 juin. Donc déjà, bon courage à tous ceux qui passent leurs examens, leurs brevets, tout ça là, tous ceux qui sont au collège et tout. Franchement, les gars, bon courage. J'espère que ça se passe bien pour vous, que vous galérez pas trop. Je crois que c'est Maëlys, ça m'a dit dans son collège, il me semble, mais je crois que c'est tout le monde pareil. C'est de aujourd'hui et demain, quoi. Il me semble que c'est ça. Hein. Bon, en tout cas, j'espère que ça s'est bien passé pour vous, que votre année, elle s'est plutôt bien passée. C'est bientôt les vacances en plus, enfin, c'est bientôt les vacances. Oh les gars, c'est les vacances. Bon, je vais continuer avec. C'est un produit comme ça, c'est un gel nettoyant, il est anti-imperfection et tout. Et qu'est-ce que j'allais vous dire? Continuons la petite discussion. Ouais, ça y est, là, les gars, c'est les vacances. Dites-moi ce que vous comptez faire, vous, ce que vous avez prévu pour votre été. Moi perso, comme je vous ai dit, je pars avec ma sœur. Après, je pars aussi profiter qu'avec les enfants. Donc du coup, ça va être plutôt sympa. Ces vacances-là, je ne sais pas pour vous, mais j'ai l'impression que niveau chaleur, on va être plutôt là, si tu vois ce que je veux dire. Donc bref, dites-moi où vous comptez aller, si vous partez ou si vous partez pas. Moi personnellement, je me suis dit, vas-y, cette année, je pars. Pour tout vous dire, à la base, au tout début, j'avais dit que franchement je partirais pas parce que je devais investir dans une nouvelle voiture, parce que je suis plus véhiculée et tout et que ça devenait un peu important quoi. Je me suis dit vas-y, hey, écoute, c'est quoi Tracy? Kiffe ta vie, pars en vacances avec les gosses, profite. Bon, bien que je kiffe de toute manière à la base, mais je me suis dit vas-y, tu sais quoi? Attendez, j'ai du savon plein les yeux. Ouais, et du coup je me suis dit franchement non, vas-y, kiffe ta vie et tout, arrête de te prendre la tête. Là je vais passer à l'eau micellaire. Je me suis dit, vas-y, arrête de prendre la tête et tout. De toute façon, de base, on kiffe et tout avec les enfants. Mais là, en plus, ça va être aussi avec ma sœur. Donc, du coup, ça va être encore mieux, tout ça. Ils vont kiffer avec les cousins. Jade, elle va kiffer avec sa cousine. Le duo infernal, je vous dis même pas ce que ça va donner cet été et tout. Enfin, bref. Donc, je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, ne prends pas la tête, pars en vacances. Et la voiture, écoute, on verra ça à la rentrée, quoi, tu vois. À la rentrée, enfin, une fois que j'aurai géré la rentrée scolaire des enfants, tout ça. Je me suis dit, vas-y, je m'occuperai de la voiture plus tard. Donc, du coup, je préfère aller profiter. Et le véhicule en soi, là, c'était, oui, c'était urgent, mais c'est pas la priorité de ouf, pour tout de suite, quoi. Tu vois? Je peux attendre la rentrée. Les enfants, si je vous dis comment, ils sont archi pressés de partir. Parce que là, je vous explique, ils sont. Ben là, il y a Maëlys, elle est en vacances, déjà. Ah, j'ai l'œil tout rouge, là. Maëlys, elle est déjà en vacances. Et lundi, c'est le dernier jour des trois autres. Parce qu'après, on part, quoi. Après, on part. Donc lundi, c'est leur dernier jour. Et je vais enchaîner avec. Alors, les produits Aven. En ce moment, j'utilise que ça. Attendez, j'ai un truc dans les. En ce moment, j'utilise que les produits Aven, comme ça. D'ailleurs, vous pouvez le voir. Hein. Le sérum, il est. Je sais pas si vous allez bien voir. Bref, vous voyez bien, mon sérum, il est archi vide. Je suis en train de le terminer. Par contre, je ne sais pas combien de temps il m'a duré. Mais plus de 2 mois, en tout cas. Une chose est sûre, et je l'utilise matin et soir. C'est le sérum réhydratant d'Aven. Et franchement, je kiffe. Je l'utilise matin et soir. Ça fait plus de 2 mois que je l'utilise. Et franchement, j'adore. De toute façon, tout ce que je vais utiliser là ce soir. Bah ça va être les produits Aven. Franchement, le soir, je mets pas une tonne et une tonne de produits sur mon visage.
Surtout que là, en plus, on est en été, il fait archi chaud. Le soir, tu sues comme un bœuf, t'as rien compris. Donc, du coup, je mets pas trop de trucs sur mon visage. Sinon, qu'est-ce que j'allais vous dire d'autre? Ouais, oh, il m'est arrivé une dinguerie, mais attendez, je vous raconterai ça. C'est pas une dinguerie en mode négatif, waouh, c'est un drame, un truc de ouf, hein, tu vois. Là, je vais mettre. Est-ce que vous allez bien voir ce que je vous montre? Là. Voilà, c'est le soin apaisant pour les yeux. Et ça aussi, pareil, hein, je le mets le matin et le soir. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Ouais, il m'est arrivé un truc. Des fois, il y a des gens qui ont des comportements. Franchement, les gars, je comprends pas. Je me dis, pourquoi agir comme ça pour ça? Tu vois? Ça n'a rien à voir avec moi ou avec des gens que je côtoie spécialement. Hein. Mais je suis sortie aujourd'hui, je me suis dit, j'ai vu une action. Je me suis dit, non, les gens, ils se prennent vraiment la tête pour rien. Oh, les gars, on n'a pas le temps de ça, là. Tu vois ce que je veux dire? La vie, elle est courte et tout. Kiffez votre vie, tout ça. On n'a pas le temps. Enfin bref, sinon, les gens, franchement, c'est abusé. C'est un truc de dingue. Et donc, niveau produit, je vais finir avec ça. C'est la crème. C'est un baume, bah, c'est une crème hydratante, quoi. Il y a marqué baume, mais j'utilise enfin que crème hydratante pour le corps. Hop là. Attendez, je remets la barrette de ma fille, là, qu'on soit pas démonétisé bêtement, là. Donc sinon, voili voilou. Les filles, elles sont déjà pressées. Alors, est-ce que vos enfants, ils sont déjà comme ça pour les parents? Ou même vous, en tant qu'élève, ou peu importe. Maëlys, précisément, plus particulièrement, elle est archi, archi pressée déjà. Genre d'être à la période. L'année vient de finir. Elle est déjà en vacances aujourd'hui, là. L'enfant est déjà pressé d'être en mode fourniture scolaire, vêtements pour la rentrée. Refaire sa chambre, les trucs et tout, elle est déjà à fond dedans. Elle est même pas encore partie profiter au soleil et tout. Qu'elle est déjà archi pressée. Quoique, je vous dis la vérité, même moi j'adore cette période-là. Mais sinon, voilà quoi. Non, franchement, là il y a tout le monde qui dort. Il est exactement 23h22. Non, 28, pardon. Ouh là là, il est 23h28. Je vais aller me poser tranquille. J'ai filmé une vidéo tout à l'heure. J'ai filmé une vidéo cet après-midi. Je vais pas du tout aller la monter maintenant, hein, ne vous emballez pas. Je vais pas aller la monter maintenant. Là, je vais juste aller me poser tranquille. Parce que vous-même, vous savez si vous avez suivi, hein, un petit repos plus que d'habitude. Donc, je vais aller me poser tranquillement. En plus, j'ai des achats à faire. Ah oui, c'est ça aussi que je voulais vous dire. Je dois faire la liste de ce que je dois acheter pour les vacances, de ce qui manque. Oh, moi, mes enfants, ils grandissent des pieds. C'est une dinguerie. Là, Jade, elle a déjà grandi, elle a déjà changé de pointure. Donc, je dois lui racheter des petites sandales, des petites tongs, des chaussures qui se ferment et tout. Juju, pareil. Non, Juju, ça va, il fait du 31. Donc, 7 ans, il fait du 31, je trouve que ça va. Je dois racheter tout ce qui est casquette, protection solaire, des vêtements. Moi, si vous avez vu mon haul shame, vous avez vu que j'ai déjà reçu une partie. Il y a une autre partie aussi qui doit arriver. Je dois aussi aller. Je sais pas quand est-ce qu'il faut que je me cale. De toute façon. Ça va être soit cette semaine, soit la semaine prochaine, mais il faut que je me cale un temps où. Par contre, je me suis grave fait mal à l'œil là. Depuis tout à l'heure que j'ai l'œil rouge, je vous parle, mais en vrai, ça me brûle un peu. Bref. Il faut que je me cale un temps, soit cette semaine, soit la semaine prochaine. Mais plutôt cette semaine, il faut que j'essaye de faire ça. D'aller acheter tout ce qui me manque à moi, parce que les enfants, en gros, ça va être. C'est des commandes qui vont arriver et aussi faire les magasins. Pour les chaussures, je préfère aller direct en magasin. Parce que comme ça, bam, ils mettent leurs pieds dedans, on est sûr que c'est la bonne pointure. Il n'y a pas de. Le colis, il arrive, c'est pas la bonne pointure, faut renvoyer. Flemme d'avoir des faux bons pour ça. Ah oui, problème avec mon passeport. Les passeports, pardon. Ceux des enfants, pas le mien. Je vous explique. Il faut m'expliquer comment c'est possible. C'est la première fois que ça m'arrive, il faut expliquer ce que c'est. Enfin, bref. On a fait les passeports et tout, nanana. J'ai fait la. Vous savez, vous faites d'abord en ligne et tout, la pré-demande, etc. Donc, je fais tout, je rentre tous les documents, tout passe bien, machin. Au moment de recevoir les. Au moment d'aller. Je reçois le SMS pour me dire, ouais, les passeports, c'est bon et tout. Il y a un problème dans le nom de famille. Vous voyez, mes enfants, ils ont un nom composé. Dans la deuxième partie du nom composé, il y a un problème. Il y a une lettre en trop. Il y a une lettre qui n'a rien à faire là, tu vois. Et du coup, j'ai la dame, mais comment on fait? Parce que moi, je peux pas partir en voyage. Moi, je peux rien faire avec ça et tout. Et. Bah, comment je fais, quoi? Du coup, bam, c'est un délire. Faut tout refaire pour le bon orthographe. Et en fait, j'ai une pote à moi qui m'a dit.
Mais après, je sais pas si c'était une bonne idée finalement, parce que je me dis. Après, je me dis, j'avoue, j'aurais pu le faire au final, tu vois. Bon, j'ai préféré faire la sécurité et vraiment faire modifier l'orthographe. Mais elle me disait, bah, au pire, pourquoi quand tu prends pas tes billets d'avion, tu mets, t'orthographes ton nom comme il est orthographe, t'orthographes le nom des enfants, bah, comme il est orthographié sur le passeport, c'est-à-dire avec la faute d'orthographe, quoi. Comme ça, bah, le billet et le truc, bah, les deux ont la faute d'orthographe, mais c'est le même nom. Après, je me suis dit, vas-y, imagine, je vais dans un pays, je sais pas comment ça fonctionne, on me demande les livrets de famille, je sais pas quoi, il y a un. Bref, du coup, j'ai préféré la sécurité. Donc, du coup, voilà. J'espère que ça va pas trop tarder à arriver non plus. J'ai pas demandé en urgence parce qu'en vrai, quand je calcule le délai, on m'a dit c'est 3 semaines, 1 mois. C'est pour août que j'en ai besoin en vrai des passeports. Donc, normalement, ça devrait aller. Sinon, voilà. J'espère qu'ils vont pas refaire la bourde. Franchement, en vrai, hein, je leur ai dit, essayez de pas faire. Mais j'avais jamais vu ça en vrai. Comment tu peux faire une faute d'orthographe avec tous les documents qui sont écrits pareil? Bon, après, c'est pas comme s'ils avaient fait la faute sur un seul passeport. C'est vraiment. Sur tous les passeports, le nom a été écrit comme ça avec cette faute d'orthographe-là. Enfin bref. Donc du coup voilà. Sinon, bah, rien de particulier. Hein. Hâte de partir en vacances. Pressé de faire les petits achats. J'ai à la rentrée. De toute façon, je vous expliquerai tout ça et tout. Hein. Mais à la rentrée, je dois. Bah, j'ai la voiture à gérer. J'ai toute la maison à refaire vraiment au. Comme j'ai envie, les travaux. Il y a pas mal d'achats et tout à faire. Donc voilà, sinon après, on a pas mal de petites choses à la rentrée à gérer. Pour l'instant, vas-y, on kiffe, on va chill en vacances, on va profiter. Je vais voir aussi si j'ai le temps de caler un petit séjour, mais je pense que je pourrais d'aller voir mes proches et tout aussi. Parce qu'en plus, il y a mon père qui m'a proposé d'aller faire une semaine avec chez lui pour qu'il voie les enfants, tout ça. Bref, donc voili voilou, je suis fatiguée, j'ai un truc dans l'œil, je vais aller retirer ça. Je sens que ma peau, elle est toute lisse, toute bien, elle colle pas. Et ouais, si vous voulez savoir, les produits Avène, ils n'ont pas d'odeur particulière. Franchement, ça sent le soin, le produit, le. Ouais, ça sent le soin, la crème, le. Ça sent bon, c'est bien. C'est pas un truc, tu vois. Et au niveau de la peau, ça colle pas, ça fait rien. C'est hyper agréable. Bon, les gars, je vous fais plein de gros bisous. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vais aller m'occuper de ma tête, mettre mon petit bonnet, tout ça, mon petit truc de soie et tout. Je crois que je vais mettre un foulard de soie ou un bonnet, je sais pas encore. Bref, je vais aller voir ça. Je vais aller me poser devant une petite série tranquille histoire de m'endormir ou devant une. En ce moment, je mets aussi des. Pour m'endormir, je mets des. Vous savez, sur YouTube, là, vous avez des musiques, genre musique relaxante pour s'endormir, des trucs, tout ça, là. Je vais voir. Soit je mets une série, soit je me mets un petit truc de méditation pour m'endormir. En tout cas, une chose est sûre, je suis fatiguée. J'ai un mal de tête qui commence à arriver, là, je le sens. Donc, moi, je vous fais plein de gros bisous, je vais aller dormir. Et on se retrouve à bientôt pour une grosse nouvelle vidéo. Parce que la prochaine, là, je vous mets déjà à l'affût, c'est un challenge. Voilà. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait de challenge. Je sais pas ça fait combien de temps, mais ça date de ouf qu'on n'avait pas fait de challenge. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve à très bientôt pour la vidéo challenge. Prenez soin de vous et encore bon courage et force à vous pour tous ceux qui passent les examens. Et j'espère que ça s'est bien passé. En fait, plutôt, j'espère que ça s'est bien passé. Parce que quand vous allez voir cette vidéo-là, ben, c'est bon, tout ça sera derrière vous, vous les aurez passés les examens. Donc voilà, j'espère que ça s'est bien passé pour vous, que votre année s'est bien passée. Profitez bien et moi, je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao. À bientôt.